Beatles. Ouais, c'est comme ça. D'accord. À l'époque, Ringo Starr, c'était qui est mon cousin, je le rappelle. Et il jouait très mal de la batterie. Et ouais. On a appris ensemble, quoi. Moi je joue pas de la batterie du tout, mais bon, c'est pas grave. Mais enfin bref. Il a appris à jouer la guitare sur une batterie, c'est pour ça que j'aime bien. Mais... Ça ressemble à quoi? C'est de la comédie. Bah, regardez, regardez, à quoi ressemble Ludwig. Voilà, alors on va prendre la face ça, voilà. D'accord. Voilà. Alors vous ressemblez à ça, hein? Mais c'est pas mal, oui. C'est pas mal. Un ça, peu plus carré ou un peu plus rond, ça dépend des fois, quoi. Solo. Je sais pas, en France, dans notre quartier, on nous compare plutôt à Village People. Hein. Village People. Ouais. D'accord, vous êtes un groupe gay français, c'est ça? Non. Ouais, c'est ça. C'est très gay. C'est entre Frank Zappa et... Megadeth. Vous devez écouter du punk quand même, parce que vous êtes du punk, vous êtes un peu influencé par le punk. Oh non, 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 oui, non, le punk, c'est ce mouvement rigolo avec les cheveux en l'air. Un peu Wickham, à peu près ça. Ouais. Non, c'est pas assez rock'n'roll, le punk, c'est pas assez expansif.